Salut les amis, c'est MM Simulator. Aujourd'hui, on se retrouve sur Euro Truck Simulator 2. Ben, dans les plans du routier sur Euro Truck Simulator 2. Donc, vous vous rappelez du fameux Scania T que j'avais testé il y a 3 ou 4 semaines, je ne sais plus exactement, même peut-être un petit mois. Donc là, j'ai pas envie de tester ça, on va aller acheter un nouveau camion. C'est encore un Scania, mais c'est pas le même, mais c'est aussi un Scania. Donc je vais vous montrer ça. C'est un mod que j'ai installé il n'y a pas longtemps, parce que là j'ai fait un peu les recherches de mods pour les vidéos. Donc il y a encore une map, je crois, et un camion à peu près, et peut-être 2-3 autres petits trucs que je vais essayer en plus. Des modifications sur des camions que j'ai déjà. J'ajouterai et puis je vous montrerai ce que ça donne, si c'est joli, tout ça, je vous donnerai mon avis. Donc voilà. Donc là, non, il y a pas mal de jus, on va dire. Voilà. Donc là, en gros, on a le Scania T qu'on a, hein. C'est pas lui qu'on va reprendre, hein. Qui est très personnalisable d'ailleurs, mais c'est celui-là. Le Scania P. Ils appellent ça R, mais c'est le P. Comme c'est marqué là, regardez, P340. Donc, on va le personnaliser. On va mettre en... On va prendre du blanc et gris. Hein ? Ah, c'est moche. Ouais, ben on va laisser comme ça. Il y a quand même des bugs sur ce camion. Hein. Donc on va prendre le châssis classique. Par contre, le moteur, on va le mettre en 730, hein, on va pas se priver, on a les moyens. Donc voilà, déjà, il ressemble beaucoup aux autres camions, ça c'est... Non, même pas, en fait, c'est tous les camions qui se ressemblent un peu. Mais bon, je vais pas en vouloir à ça. Ah, il est pas pareil celui-là. Celui-là, parce qu'il n'est pas pareil, je vois que l'intérieur est pas pareil qu'avant. Donc là, on va laisser ça. Donc on va remettre les bas de caisse, tu vois, les carénages latéraux. On va mettre qu'est-ce qu'on va mettre pour aller mettre. Bon, on va mettre ça. Allez hop, pour que ça fasse un peu joli. Pareil de l'autre côté. C'est un truc qui me paraît assez... En gros, on dirait que les roues, elles sont vachement d'un... Je sais pas, elles apprécient ce truc là, mais... On a vachement là... Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres. Ça doit aller avec celui-là, je crois. J'ai des jolies petites jantes là. En fait, c'est la première fois en fait que j'essaye ce truc. Je sais pas avec. Donc je regarde un peu en même temps que vous. Donc on a plusieurs. Je vais prendre celle-là. Puis à l'arrière, il doit y en avoir aussi certaines. Parce que autant prendre des trucs qui brillent et qui font. On va prendre celui-là.
On va mettre ça, même si bon, j'aime pas trop. Mais en fait, je trouve que ça a aucune utilité. Ah, on peut pas changer de... C'est dommage. Donc voilà, on va le mettre, même s'il me sert à rien sur ce genre de véhicule. On va en mettre des petits quand même, au cas où. Hein. Avec une petite truc comme ça, ouais. Et là, on va mettre des Oscars. Ou... Ah, ceux-là, c'est les mêmes que sur le Scania T. C'est vrai que... Ah non, 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 laisse tomber. Pas ça, pas ça. Bon, on va laisser tomber le pare-choc parce qu'il est moche. Il touche même pas. Est-ce qu'on peut modifier des trucs à l'intérieur? Non. Ah, ah, attends. Ça, c'est quoi? Ah si, on peut le changer. Je pensais qu'on pouvait pas, mais en fait, on peut. De l'intérieur, c'est bizarre. Je trouve ça complètement bizarre, mais bon. Si on peut. Voilà. Bug, je sais pas trop parce que là on voit les bugs. On va le remettre comme il était avant, comme ça. Voilà, parce que c'est... Ouais, ça fait joli. Ça fait joli. Mais bon, donc on va confirmer. Hop. Pourquoi? Mais et là je comprends pas tout là. Ça bug. Je sais pas pourquoi il bug. On va essayer avec celui-là, on verra bien. Mais je pense que je sais pas du tout pourquoi il veut pas donc on va donc là on a deux garages hein. je crois que d'ailleurs je t'avais vu quand je les ai eu les deux hein. Merci pour votre attention. Ah bah non, en fait en gros il buguait que dans le magasin parce que là il bug plus. Oh mais ça brille. C'est bien que ça brille. Bon, c'est bien parce qu'en fait en gros c'est... Ah non en fait c'est qu'il y a un bug parce que le côté droit, ah ouais en gros le camion est assez buggé quand même. Il est bien fait mais il est un peu buggé parce que regardez l'essieu avant, il est beaucoup trop... Enfin,
l'avant, ouais, en gros, c'est assez bizarre de voir comme ça de l'extérieur. Mais bon, ouais, on va dire, tant que ça fonctionne. Ah, en plus, faut que je fasse ma pause, je crois. Donc, on va aller faire la petite pause vite fait, j'en ai pas pour l'instant. Ouais, en gros, le panneau est illisible. En fait, je sais plus où je vais, non. Je sais pas du tout où je vais. Donc, on va aller voir dans les marchés du travail. Fête. Paris, mais moi je suis où en fait? Très bonne question. Je suis pas à Strasbourg. Ah tiens, tenez, ça c'est la nouvelle map que j'ai faite. Ah non, je suis à Torino. Ouais, je suis à Torino. À Torino. À Milan. Il y a Venise. Ah, je savais pas ça. Et ben tenez, on va aller à Venise. Il y en a pour 3 heures. Ça y était pas avant ça. Je me rappelle pas qu'il y a eu Venise. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que Venise c'est dans. C'est que depuis les dernières mises à jour, là 1.12 ou 1.13. Je sais pas, à moins que ce soit avec l'un des modes que j'ai ajouté, mais je crois pas que j'ai ajouté de map sur cette carte. Donc n'hésitez pas à me dire, et certainement que cette semaine il y aura deux vidéos sur Euro Truck 2, sauf qu'il y en aura une certainement, ce sera une petite vidéo test pour voir si j'ai du copyright avec en mettant certaines radios du jeu. Si il n'y a pas de copyright, comme ça je les mettrai, ce sera bien plus simple pour moi. Bon, je bug un petit peu quand même, mais bon. On va essayer de faire avec quand même. Bon, c'est vrai que voilà, ce mode est joli, c'est joli comme ça à voir, mais plutôt buggé, et je pense que ça vient peut-être des autres modes que j'ai avec, parce que par exemple des gens, des trucs comme ça, ça doit venir de ça un peu aussi, voilà. Et aussi le truc c'est qu'on n'entend presque pas les clignotants. Bon, ça me dérange pas plus que ça, mais ça fait partie un peu des. Des trucs, voilà, donc je sais pas quoi dire, hein. Le scalon est plutôt bien, mais il est quand même beaucoup buggé en fait, et surtout que en gros on voit pas trop, moi je vois pas trop ce qu'il y a comme intérêt sur ce camion. Donc je le conseillerais pas forcément. Après, je sais pas, peut-être que la semaine prochaine, je testerai un camion et une map en même temps. Ou je sais pas encore, je verrai un peu, mais j'envisage un peu certaines choses. Ou un camion différent sur une autre map. Ben, en gros, je pense que chaque semaine, j'ai un peu changé le principe de l'hebdo de routier et mettre, en fait, pas, en gros, pas faire une espèce de carrière suivie, mais plutôt
un camion hebdomadaire. Voilà. Donc après, allez, avance. En gros, j'ai dû configurer aucune touche. Ouais, j'ai dû configurer que les clignotants. Je suis encore avec Raps en termes d'audio parce que j'ai essayé de faire avec Audacity, mais Audacity sur mon ordi ça rend pas bien, surtout que j'ai pas le matos approprié. Donc en gros, c'est quand je dis matos, je parle du micro et de. Je parle de micro et de. Ah, je crois qu'il est aussi. Ah, c'est bien encore. Donc, on va prendre la remorque que j'ai faite par rapport à la nouvelle bannière que j'ai mise en place. Par contre, c'est vrai que j'ai pas remis. En gros, j'ai fait quelques modifications depuis que j'ai cette bannière. Déjà, comme vous l'avez peut-être aperçu, bien, c'est un petit peu subtil, mais j'ai en gros rajouté à chaque fois que j'ai fait un camion spécial, je l'ai rajouté sur la bannière, chose que je n'ai pas faite sur la remorque, mais bon, bien que si je ne vais pas changer toutes les semaines pour ça, malgré que ce serait très simple et très rapide, il n'y a rien de très compliqué. À faire ça. On coule. Donc voilà, hop, on va repartir. Je trouve quand même par contre qu'il roule très bien ce camion. Donc attendez. On va se mettre ici. Hop. Donc voilà. Ça, c'est la nouvelle remorque, comme vous avez certainement pu le voir, avec le camion qui a 3/4 de guide. Donc voilà, c'est la nouvelle remorque que j'ai fait avec lui, de la chaîne, qui est plutôt bien. Putain, le camion est vachement collé à la remorque. What the fuck. Je pense qu'on va se prendre des dégâts quand on va tourner un petit peu trop. Mais bon, on verra bien. On verra bien quand ça arrivera, si ça arrive un jour. Donc voilà. Après, pour l'instant, je vais rester avec Fraps pour faire... Putain, ça commence bien. Vas-y, 3 dégâts. Sens interdit? Comment ça, sens interdit? Bâtard. Donc voilà, après si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer mes vidéos et à partager ou laisser un commentaire pour me dire s'il y a un petit truc que vous trouvez que vous aimeriez voir sur améliorer sur ma chaîne. Sur ma chaîne, parce que voilà, j'ai envie de faire mieux que ce que je fais, et pour ça j'aimerais bien apprendre un peu et savoir ce que vous voudriez voir sur YouTube, parce que voilà, parce que ça me ferait plaisir de pouvoir vous procurer ce que vous attendiez à voir quoi.
Donc déjà dans quelques semaines, dans une ou deux semaines, je sais pas encore, il va y avoir un jeu qui... a fait assez parler de lui sur YouTube et sur le site de jeux vidéo hein. Donc je pense au Sims 4. Je vais tester cette vidéo et puis selon si ça vous plaît ou pas, je ferai un let's play complètement fou dessus. Donc voilà. Ça vous plaît pas ou pas trop, je vais pas insister hein, j'ai juste fait une vidéo découverte, mais je sais que ce jeu c'est un peu une petite valeur sûre quoi, c'est un peu comme Minecraft ou des trucs comme ça, donc j'espère que vous aimerez ce jeu là parce que c'est vrai que dans sur ma chaîne j'essaie quand même de garder un minimum de simulation, mais bon on va dire que de temps en temps je me permets un peu de passer à côté. Donc ça, oh là, mon petit bug à bord là, je sais pas pourquoi. Donc voilà. En fait, c'est que mon ordi, en fait, il est pas assez puissant pour assumer le jeu. Et je sais même pas pourquoi. En fait, c'est juste mon processeur qui est pas très puissant. Sinon, après... en gros, on va dire que le cockpit, le camion lui-même, il est un peu vide, on va dire. Le terme, l'éclairage... le tableau de bord est plutôt bien fait, hormis l'écran digital qu'il y a au tableau de bord est un peu obsolète on va dire. Ouais, en plus ça fait joli quand on éclaire, c'est vraiment bien. Ouais. Donc voilà, après c'est vrai que ce jeu me plaît beaucoup, mais bon j'arrive pas bien à le faire tourner, peut-être un peu à cause de Fraps aussi, mais je pense que mon processeur est pas au top, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un nouvel ordinateur, mais bon, pas tout avoir non plus. Donc voilà. Ah je l'ai pas ici en plus, bon tant pis. C'est vrai que j'ai pas donc voilà, ou dites moi par exemple je sais pas si vous avez un camion qui vous ferait plaisir à voir, je sais pas quoi du tout hein, je sais pas d'ailleurs j'ai un autre, le prochain ça sera un autre Scania et après je crois qu'on devrait peut-être reprendre un des vieux véhicules que j'avais, ben un des vieux. Je crois que c'est celui qui avait juste avant celui-là, hein, le Scania P, qui était aussi bien d'ailleurs. Hein. C'est bizarre quand même qu'on n'ait pas eu de dégâts à cause de la direction, alors que... Ici, on l'entend un petit peu. Il y a vraiment très peu, je pense que vous l'entendrez pas, les clignotants et tout ça, surtout avec ma voix par-dessous, parce que voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils par exemple pour qu'est-ce que vous voulez voir sur les Sims 4, si vous voulez voir quelque chose, est-ce que je peux vous montrer là j'ai commencé une partie oui. J'ai commencé une partie sur moi en gros, avec mon apparence, tout ça, mon nom, mon prénom, tout ça, et j'ai déjà pas mal avancé, quoi, on va dire. Je gagne 100€ de l'heure, dans ce genre-là. Vas-y, passe-toi le contracteur, vas-y, dépêche.
Donc voilà. Après, en gros, je pense que sur ce camion, il n'y a que... même pas le nom, parce que le nom, c'est marqué Scania R quand tu es dans le magasin. Mais sinon, après, il n'y a que... certaines choses qui changent. En gros, il n'y a que l'apparence. Et je pense que... voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, je l'aime. La coque est jolie, l'ensemble est assez joli, mais en gros il y a quand même des bugs, comme les roues avant qui sont dans les ailes de la voiture, hein, pas dans les ailes d'un autre. Et même peut-être, ah oui, ça j'avais oublié de le dire, peut-être qu'aussi exceptionnellement on fera pas un convoi de voitures, de camions. En gros, je vais pas faire un convoi camion. Je vais peut-être prendre un mode de voiture qui doit être, qui me semble être assez connu. Ah mais ça c'était pas comme ça en fait, hein. Pourquoi je suis pas sur la PSN? Ah c'est tout, ils ont changé les péages. Donc voilà, après n'hésitez pas franchement à me dire si vous voulez voir des améliorations sur ma chaîne qui pourraient arriver assez vite. Parce que franchement, moi, Facebook, c'est... YouTube, pas Facebook, excusez-moi, je me connais que je viens de dire. YouTube, c'est vraiment un passe-temps, ouais, qui occupe et... qui occupe bien et... qui, ouais, prend beaucoup de temps, surtout quand on n'a pas un ordinateur, franchement, c'est cool. Ben, fait pour. On va dire, quand on n'a pas un ordinateur qui vaut au moins 700 €, bon, le mien n'est pas loin, mais il manque encore un peu. Et c'est vrai que je remarque surtout, en fait, c'est même pas les RAM qui manquent, c'est le CPU, c'est le PROS qui tourne toujours à fond. Dès que je fais par exemple la rendu, il est à fond. Dès que je fais un jeu, c'est par exemple le Sims 4. Pour le, comme vous allez peut-être le voir quand je filmerai, si je le filme, si j'arrive à le filmer, à faire un truc dessus, qu'il bug énormément. Mais ça vient peut-être pas du jeu, mais. De mon ordi. Tiens, il y en a un qui bug derrière dans la voie d'accélération. Bon, donc voilà. Après, je vais essayer quand même de faire une vidéo assez, assez longue et qui soit un peu courte en même temps, en gros, qui soit entre les deux. J'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment. Bon, pas. Donc voilà, j'espère juste que ça, que les Sims vous paieront malgré les légers bugs qu'il y aura. Parce que j'ai pas encore filmé, mais déjà, je vais faire un personnage avec vous, plutôt loufoque. Parce que j'ai déjà fait quelques tests sur un personnage qui me ressemble, qui est comme moi, et je sais pas encore comment ça marche en... Un multi-personnage, on va dire. S'il y a un... En gros, je pourrais parler avec mon moi ou pas. Je sais pas encore. Donc, on verra bien. Quand... non, d'ici 2 ou 3 semaines, je pense, à peu près. J'ai bouché sur le tour. Donc, c'est moi qui roule. Donc il y a 12 vitesses, mais en fait c'est vraiment un Scania R avec une coque de Scania T. C'est ça, c'est complètement ça, c'est pas autre chose. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage.
Après, dites-moi ce que vous pensez du camion. Je sais que la plupart des camions, il y en a très peu qui soient parfaits, on va dire, hein. Il y en a aucun. Il y a toujours des légers petits bugs, des trucs comme ça. Donc voilà, après, est-ce que ça vient de... Est-ce que ça vient... Ça m'étonnerait que ça vienne de moi ou de mon ordi. Mais bon. Donc ouais, peut-être que dans les prochaines semaines sur Euro Truck, il y aura... mais allez un peu plus vite, bordel. Il y aura, en gros, on prendra pas un camion, mais une voiture. Je vais essayer de trouver comment on peut la mettre, parce que je sais pas du tout comment faut faire. Mais je trouverai. On va se faire un go fast. Peut-être sur la Traxima pendant qu'on y est, parce que ce sera bien. Ah oui, je vais peut-être faire ça moi. Ouais, bah, je vais vous montrer la nouvelle map que j'ai. Une des nouvelles maps. D'ailleurs, j'avais téléchargé une map, mais j'ai trouvé tellement minable que je j'ai pas voulu vous la faire. Parce que, en gros, elle prétendait certaines choses qui n'étaient pas tant vraies que ça. Parce qu'en gros, par exemple, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est la map Brésil. En gros, que j'ai testé. Tout seul, mais en gros j'ai testé cette map et avec cette map et ben il y a eu en gros des gens je sais pas comment dire avec cette map en gros c'était toujours la map Europe, il y avait le fond Europe. Mais il y avait toujours, en gros, ils avaient mis tous les pays Brésil et ils avaient, à part certains, en gros, ils avaient changé la France en Bolivie, je crois, et ils avaient mis, l'Angleterre. Par contre, ils n'y ont pas touché, ils ont laissé en Angleterre, avec tous les pays anglais connus, quoi. Bref. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu minable. Donc je l'ai enlevé et puis j'ai fait c'est bon. Surtout qu'en plus, il n'y avait aucune comment dire, personnification, on va dire, de la map. Parce qu'en gros, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît du Brésil, par exemple, ou à des trucs comme ça. C'était plutôt, en gros... on va dans une ville à Rome et par exemple et ça ressemble quand même à Rome alors que c'est pas le même pays, c'est on est soi-disant au Brésil, donc voilà, ça m'a fait un peu rire, on va dire, et en même temps ça m'a scotché, voilà. En gros, j'étais peu mitigé au niveau de mes envies, de mes humeurs. Et c'est vrai que j'étais un peu tendu sur ce niveau-là. Waouh, putain, il pousse quand même. Il pousse. Ben 152, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais je sais qu'il y en a qui arrivent à faire un 200. Je sais plus combien c'était le record. Je crois que c'était 250, non? Si, je crois que c'est 250. Le record de Euro Truck, en gros, je sais plus du tout à combien était le record. Par contre, c'est vrai que quand on tourne, on freine beaucoup, même s'il n'y a pas de raison de freiner.
Si, quand même, mais c'est à 130 dans certains virages, oui, je comprends qu'il freine. Bon, clairement, je fais un peu n'importe quoi quand même, c'est pas vraiment une conduite exceptionnellement dure. En gros, c'est. Ah, en plus, il faut que je mette le feu, parce qu'il est quand même un délire. Donc voilà, après, dites-moi ce que vous pensez des jeux découvertes, des vidéos découvertes que j'ai faites. Normalement, il devrait y en avoir encore au minimum 2-3 sur 2-3 semaines, en gros, une par semaine. Mais en gros, c'est des jeux différents. Après, au pire, pour certains, je pourrais essayer de faire des let's play, des trucs comme ça. Mais ça m'étonnerait grandement que je fasse des let's play sur les jeux que j'ai fait, comme sur RobotCraft, des trucs comme ça. En fait, le truc, c'est que RobotCraft, j'aimerais bien faire des let's play dessus, mais si je le fais, il y a de grandes chances que je prenne la mouche, en gros, si je fais des multi, et que... en prenant la mouche, en gros, c'est en fait, en gros, moi, on va dire que je suis un peu mauvais perdant sur les bords, et quand je perds, eh ben, j'aime pas perdre, donc c'est un peu le mauvais perdant, hein. Et le fait d'être mauvais perdant, c'est vraiment un truc qui, je sais pas comment le dire, mais qui en gros, si je perds trop de poids, je vais gueuler après mon ordinateur, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu con. Ah, ça, c'est encore un truc buggé, mais je sais pas si c'est pas le scanner. Donc voilà. En fait, le truc, c'est que j'ai peur de me cracher. Donc on va à Venise. Après, sinon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de trucs à vous dire. C'est vrai que bon, ce 700 chevaux, il pousse pas mal, hein. Bah, je sais pas en fait si je pourrais le mettre, mais je m'en rappelle même plus ce qu'il y avait comme normalement avec 700 avec un certain mode, on peut arriver à mettre du 1050 chevaux sur les camions et arriver à plus de 250, je crois. Mais bon, pour l'instant, ah, il y a un péage devant. Bon, après, c'est vrai que moi, Road Truck, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. C'est un jeu qui me passionne, je sais pas tant ça, mais c'est vrai qu'il m'attire beaucoup. C'est un peu comme RobotCraft, je vais vous dire que c'est pas un jeu qui il est pas extraordinaire, hein, il a aucune je sais pas comment le dire, mais il a rien de spécial. Et pourtant, il m'attire. En gros, c'est comme un bout de métal devant un aimant, ça revient à la même chose. Et donc voilà. Après, bon, je tape un peu, c'est pas très grave, tant que je peux pas de dégâts, je m'en fous. Donc voilà. Après, c'est vrai que si il y a quelque chose qui soit mieux.
Je sais pas encore. Je vais essayer quand j'aurai changé d'ordinateur, faire un ordinateur un petit peu mieux pour faire ce que j'ai à faire dessus. Avec pour YouTube, par exemple, déjà, ça serait une bonne chose. Parce que déjà, il faudra en fait que je prenne un ordinateur qui soit plus puissant que celui que j'ai. Parce que là, en gros, mon CPU il rame à mort. En gros, même sans rien faire, je suis presque à 100% que mon CPU tourne. Donc je pense qu'il fatigue un peu. Et pourtant, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mon ordi. Ça fait 2 ans, je crois. Donc voilà, après, je sais pas du tout ce que. Donc voilà. Ouais, n'hésitez pas si vous avez un camion, vous conseillez pour l'une des prochaines, l'un des prochains épisodes du routier ou un truc comme ça, ça serait plutôt sympathique, on va dire, de faire ça. Et on va aller dans un endroit assez sympathique à Venise. On va aller sur les gondoles, non je déconne parce que c'est pas possible. Ça m'étonnerait qu'ils aient... Et je pense que ça doit pas ressembler tant que ça à Venise, parce que Venise, il n'y a qu'une seule rue. Mais en gros, il y a très peu de rues où il y a des routes. Donc voilà. Ah, ils contrôlent les vitesses ici. Il y a un radar là-bas au bout. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après n'hésitez pas à me conseiller un nouveau truc que je pourrais mettre sur les dos du routier, un truc comme ça. Parce que je sais pas encore. Quoi faire pour innover pour l'hebdo en gros, et c'est vrai que ça manque un peu de faire des trucs sympathiques. C'est vrai que j'ai vu que l'hebdo du routier en fait marchait mieux quand je faisais des trucs un peu spéciaux, par exemple comme tester un camion, des trucs comme ça. Ça, j'ai l'impression que ça vous plaisait plus que de faire la carrière suivie comme je le faisais avant, la petite carrière suivie. Donc on sait pas, là je sais pas encore, on verra comment je le ferai, si je mettrai certaines quand même des fois des vidéos de la carrière suivie, ou si je mettrai que des vidéos comme ça, on avisera au fur et à mesure, on ajustera. Donc voilà, après moi franchement ce camion, bah, je dis pas non, mais je dirais pas oui non plus. Je sais pas comment. Ouais. Ni non ni oui, on va dire. C'est vraiment mitigé. Si on passe sur les bugs des roues et un peu du compteur numérique, on va dire. Après, c'est plutôt un bon camion. Ah, non, c'est le moment ici. Non. Bon, allez, hop, on avance. Bon, je crois que j'avais déjà passé la ligne quand le feu était rouge, mais bon. Vu la vitesse à laquelle j'allais, il n'allait pas me dire grand chose. Donc, nous sommes à Venise. Donc, Venise. On va voir si on voit des gondoles ou des trucs comme ça. Je sais pas trop ce qu'il y a. Merde. Ce
qui caractérise Venise, hormis les gondoles et les petites rizières, les maisons qui sont sur l'eau depuis plusieurs décennies, je pense même plusieurs siècles pour certaines. Mais après, c'est vrai que Venise, j'aimerais bien y aller pour visiter, mais on va dire que ce serait pas mes destinations favorites. En gros, pour l'instant, je préférerais rester en France, visiter la France et voir tout ce que la France déjà peut nous offrir, parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses à offrir, mais les Français n'utilisent pas le potentiel, on va dire. Merde, je vais rester sur le doigt. La France n'utilise pas. Les Français ne voient pas tout le potentiel qu'on a. Donc c'est vrai que y a beaucoup. En gros, on a beaucoup de pertes. Mais c'est aussi pour ça, en fait, maintenant, en gros, c'est limite les étrangers qui nous nourrissent, dans le fond, parce qu'on fait souvent des choses pour les étrangers, mais au jour d'aujourd'hui, à l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on s'est beaucoup développé, surtout en ce moment, ça commence un peu à se réduire, vu que il y a, je sais pas si ça y est encore, mais au moment, il y a l'embargo russe encore. Je crois, hein. Peut-être pas dire de conneries, mais il me semble bien. Donc voilà. Là, on va pas tarder à s'arrêter. Ouais. Ça fait déjà à peu près 40 minutes qu'on y est. Donc je sais pas comment on va le faire. Si on fait une petite photo de fin ou pas, on verra bien. Donc voilà. Allez, dépêche, face au vert. Allez, passe au vert. Ça m'énerve. Voilà, c'est bon. Donc voilà, on va aller finir de livrer la livraison, le fret. Après, franchement, j'espère que l'hebdo du routier est une émission de ma chaîne qui vous plaît. Je sais que c'est quand même, peut-être pas la plus regardée, mais l'une des plus regardées, après 2-3 vidéos sur Farming. En fait, il y en a qu'une qui est vraiment bien regardée sur ma chaîne, plus des vidéos de l'une des vidéos de Bus Driver, qui était un plutôt bon jeu. Et qui arrivait à plutôt bien tourner sur mon ordi, parce que c'est vrai que c'est pas un jeu tout neuf non plus. C'est un jeu qui est quand même maintenant, on va dire, assez âgé, parce que le jeu, je crois qu'il est de 2010 ou de 2008, si je me trompe pas. Un truc dans ce genre-là. Donc, et que maintenant, il y a des jeux quand même qui sont un petit peu plus potables que celui-là. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a plusieurs, pas forcément plus potables que celui-là. Mais je sais qu'il y en a des comme ça. Donc, voilà. Après, est-ce que... franchement, moi, tout ce que j'espère, c'est que ça vous plaît. Dites-moi si, par exemple, si vous voulez aussi que je vous fasse des skins de remorque ou que je vous apprenne comment faut faire, parce que c'est pas compliqué du tout. Donc, franchement, il n'y a rien de bien compliqué à faire un skin de remorque. C'est vraiment tout bête. Tout bête, tout bête, hein, je vous dis. C'est vraiment tout bête. Donc on a pas mal, on est pas mal, hein. Donc là on a un bon
Alors, de toute façon, en gros, on n'aurait gagné que 5 000. Donc voilà. Donc là, voilà, regardez, comme vous le voyez là, il y a ce petit bug là. Sinon, après, le camion est plutôt joli, on va dire, en lui-même. Il y a 2-3 petits autres bugs quand même qu'il faut bien regarder. Même à l'arrière, ça fait pareil. À l'arrière, c'est pareil. Mais ça se voit un petit peu moins quand même qu'à l'avant. Donc voilà. Après, je sais pas si c'est parce que j'ai eu des dégâts avec son pneu. Oups, ça va là. Voilà. Ou à moins que ce soit par rapport au roue que j'ai mis, mais je pense pas non plus. Donc là, on va aller vite fait voir un. On va aller au garage, tiens. On va aller au garage pour. Pour comment dire. Ouais, pour what the fuck, pour aller prendre une photo et la mettre en miniature après, personnaliser tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que moi franchement j'adore faire what. C'est quoi ce camion qui pointe pas là? Bon ben maintenant que je suis en plein milieu, je vais pas. Ça va rien me dire. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire par exemple ce que vous pensez de mes vidéos, parce que franchement ça me ferait plaisir. Bon, c'est vrai que ça me ferait plus plaisir si ce serait des gens qui soient comment dire. Pas connu, mais qui connaissent bien YouTube et puis qui fassent des vidéos sur YouTube, qui... Oh, sans deck. Mais oh, ce truc, il fait rien, en fait. Donc on va aller acheter... Ben, je vais acheter le camion. Ben, le camion au garage. Vu que tout... Les camions que je prendrai, je vais les faire sur les maps. Si par exemple vous devez voir un truc, je sais pas, comment dire. Si vous voulez voir un. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est un peu con parce que ça peut le faire comme une chose. Bon, tant pis, on va le faire de nuit. On va mettre je sais pas si ils y sont. Non, ils sont pas activés, donc. Ah si, il y a ceux d'en bas qui sont activés. Donc. Ah merde. Non, faut pas que je fasse comme ça. Excusez-moi pour cette coupure. Je me suis trompé de touche et j'ai appuyé sur la touche qui me fait. Donc on va aller sur le réglage de l'éclairage. Mais je pense que vous n'allez même pas vous en apercevoir, ou très peu. Donc déjà on va mettre les feux de route et ah bon, c'est bizarre, pourquoi y a... En fait, en gros, je crois que le bon, c'est pas grave. Donc on va faire comme ça et là on va quitter. Et là, on va prendre une petite photo. On va essayer d'en prendre une sous son meilleur profil, parce que c'est vrai que c'est pas top. Non, c'est pas de derrière que je veux, c'est devant moi. Ça vous dit une Mazda? Non, je déconne. On va pas mettre une Mazda, pas non. Donc voilà, après c'est vrai que... Merde, j'adore faire YouTube comme vous le savez. Mais après c'est vrai que
j'essaie de faire du mieux que je peux en gros avec les outils que j'ai à ma disposition. Ça change pas grand chose en bref. Que j'ai tourné les roues ou pas parce qu'on voit rien. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Mais tiens, on va me faire en noir et blanc un peu. Donc voilà, là il est assez joli. Non, on va le mettre comme il était tout à l'heure. Et puis là, on va... voilà, comme ça. Hop, on va la prendre comme ça la photo. Hop. Comme ça, en même temps, ça fera un peu, on va dire, rétro, tout en faisant une touche de... À voir comme ça, au premier coup d'œil, il a l'air plutôt joli. Mais bon, il n'est pas super, en fait. Et puis surtout, sur le site où je l'avais téléchargé, il avait aussi l'air joli, mais bon, c'est pas vraiment le cas non plus. Ben, quand on voit la différence qu'il y a entre la réalité et la vidéo et le jeu en lui-même, c'est vraiment énorme quand même. Et donc, je vais dire, il est plutôt bien, hein. Ben, il est bien fait tout ça, mais voilà, en gros, il ne faut pas trop le coup d'être téléchargé, mais bon, vu qu'il n'est pas très lourd, on peut le garder assez facilement. On va dire. Donc voilà, après c'est tout, on va dire, ouais, le camion est plutôt pas mal à conduire, hein. Parce que comme vous l'avez vu, on était à 150, 152, et bah, on était tranquille, quoi. Il n'y avait pas de, on n'allait pas soit trop vite, soit pas assez, bah, si trop vite, mais en gros on était bien, il n'y avait pas de d'accélération, elle partait pas trop à gauche, elle partait pas trop à droite dans les virages, même à 150, hein. Elle a une bonne adhérence à conduire, franchement c'est la crème des camions je pense, mais après après physiquement il est pas super joli, donc on verra. Tout ce que je vous dis, c'est que la semaine prochaine ce sera aussi un camion, parce que je pense que ça doit être un camion assez âgé déjà. Ce sera aussi un camion âgé la semaine prochaine. Peut-être je le ferai sur une autre map. Combiné à une map, en gros je vais mettre deux maps combinées. J'ai réussi à faire ça, c'est vraiment super bien. En gros ça fait une map déjà qui est grande, qui la faire devenir encore plus grande. Donc vous verrez tout ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir les autres vidéos ou si vous voulez me faire plaisir, ça marche aussi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, c'est pas autre que ça. Donc voilà, c'était MM Simulator, je vous dis à la prochaine, ciao.